What brought you here? What have you left for me to find? Are you even still alive? The Council, c'est un jeu narratif aventure avec de fortes fonctionnalités RPG, un jeu avec de massives conséquences et une très forte histoire dans laquelle le joueur a un impact. Don't worry, Emily is from the English branch of the Golden Order. And President Washington is in fact the leader of the order in the United States. C'est un huis clos, politique, historique, chaque personnage est connecté les uns aux autres. Il y a des secrets, il y a des non-dits, et en découvrant tout ça, le joueur va ouvrir une trame et comprendre en fait l'ensemble des possibles au fur et à mesure. On a voulu découper le jeu en 5 épisodes, en conservant des conséquences d'épisode à épisode et des fins différentes dans chaque épisode qui elles-mêmes entraîneront de multiples fins à la fin du jeu complet. Le joueur joue le personnage de Louis de Richer, qui est membre d'une société secrète qui s'appelle l'Ordre Doré, et il a été invité sur l'île de Lord Mortimer. Quand Louis part sur l'île de Lord Mortimer, il n'y va que dans l'objectif initial de retrouver sa mère qui a fraîchement disparu. Et en fait, arrivé sur l'île, il va découvrir que Lord Mortimer invite régulièrement une somme de personnalités du monde afin de discuter des grands mouvements mondiaux de l'époque. Tell me, what have you been up to since? Le squelette du jeu repose vraiment sur un jeu de rôle avec un choix de classe, des compétences qu'on peut débloquer. On a des compétences telles que interrogatoire, conviction, manipulation, qui sont des compétences très orientées dialogue. On a aussi des compétences historiques, background, comme linguistique, érudition, qui permettent de mieux connaître le monde dans lequel vit le personnage, le 18e siècle. Please hand it over now. Sir, I'll speak directly to your master about it. It will be a very long conversation. Of course, sir. Please, take it. L'immense majorité des choix de The Council ont des conséquences. Court terme, moyen terme, long terme, cosmétique et réel. Certains choix, particulièrement énormes, permettent vraiment de choisir des embranchements massifs, à savoir personnages différents, environnements différents, gameplay différents. On a choisi de traduire le gameplay de combat qu'on retrouve dans la plupart des RPG en narratif, en dialogue. On est arrivé avec cette idée de ce qu'on appelle le système de confrontation, où le joueur a comme objectif de convaincre un personnage ou un groupe de personnages, et il va devoir argumenter avec eux en utilisant la dialectique, en utilisant son intelligence, en utilisant sa compréhension du scénario en fonction des facettes qu'il a perçues. On a eu à concevoir ce sorte d'énorme scénario multifacette, cette histoire composite dont le joueur ne verra qu'une partie. Le jeu ne contient pas de game over, pas de quick save, quick load, le jeu continue. Tous les choix ont des conséquences que le joueur devra assumer jusqu'à la fin.